bah alors là, clairement. Moi, tu imites bien. J'imite personne. J'imite qui? Non, c'est vrai. Bah, je sais pas. Oui, non, j'aime bien imiter. Il fait Jacques Chirac, il fait. Oh, les vieilles imitations. Il fait Mitterrand. Il fait Michael Jackson qui parle du. Qui parle en yaourt. Ouais, je connais les lilo. Calolo les lilo. Michael, on fait un barbecue. Oh non, oh non. Tu ranges tes chaussettes. Scololi. Par exemple, cette scène où on était au tout début d'ailleurs, on faisait des cauchemars, où moi je faisais des cauchemars. Oh tu je t'arrivais pas à dormir, je faisais le mec qui avait des cauchemars. Et qu'on chialait d'un rire, c'était impossible à faire. Et tu faisais deux funestes, après. Comment tu faisais? Tu fais bien. Le courant. Arrêtez le courant. C'est les débuts de Gabi et Isa, c'était très drôle. Ouais. Ah, merci. Moi, je crois. Ouais. Je crois que c'est lui. Je suis pas très difficile à vivre, c'est pas ça, mais lui, il est très facile à vivre. Sur les tournages, je pense être facile à vivre quand même. Quoi. J'arrive à me. Hein, c'est vrai, j'arrive quand même. Ouais, à... ouais, je pense que t'es plus facile que moi. Il y a des gens plus compliqués que nous. Ouais. Il doit y avoir aussi des gens plus simples. Plus simples que nous, là, c'est que. Ouais, ils sont vraiment super. Très simples. C'est que là, pour le coup, ils dégagent absolument rien. Quoi. Ah, ta femme s'est barrée, hein, tu tombes trop. Ah, cool. Les deux, hein. Là, putain. Si c'est dit le sketch où je suis en lutin, je t'ai fait ouh, va qu'il fait. Mais chaton, tu m'as fait peur, t'es malade de crier comme ça. Oui, enfin, sauf que il y a pas très longtemps, ils ont repassé un sketch où j'attends Laetitia dans le hall, où je dois l'emmener au lycée avec des espèces de. J'ai des antennes et tout, oh, putain, oui. J'ai un bonnet, j'ai un énorme le papillon, puis pas comme ça. J'ai décidé d'aller la chercher et de l'emmener à l'école comme ça. Pendant une semaine, comme ça je lui fous bien la honte devant tous ses copains. Et là, je peux te dire qu'elle n'est pas prête de refumer. Ah, je pense, ouais. Laetitia ! On se demande des fois s'ils se défoncent pas un peu, Gabi et... Ou les auteurs. Ou les auteurs se défoncent parce qu'il y a quand même des moments où tu te dis ils l'ont écrit à quelle heure celui-là? Ah bah, 14h du matin, il est rentré de boîte le mec. Ah bah oui, on l'a celui-là. On a vu. On a eu tous les deux notre lot de ridicule, on va dire.